Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec Nico. Ouais, bien le bonjour à vous Nico, comment allez-vous? Ça va, j'ai essayé de faire un N avec mes doigts mais j'ai pas réussi. T'as pas réussi? C'est chouette. Henny, fais comme Nio. Henny. Aujourd'hui les gars, grosse information sur GTA 6. Et oui, parce que il y a deux informations aujourd'hui. Mais une très grosse information. Une grosse. Un document secret a fuité. Un document secret a fuité, mais quand vous allez savoir c'est qui a écrit ce document, vous allez dire... J'espère qu'ils avaient des serpillères, comme il a fuité... Je sors. Comme on sait, là, en ce moment, tu vois, 2020, c'est les infos qui sortent sur GTA 6. C'est ça. À chaque fois, il y a des nouvelles infos, à chaque fois, il y a des nouvelles news, à chaque fois, il y a des trucs. Oui. Et du coup, on se retrouve pour le... Premier point. Eh oui les gars, grosse information, un document secret a fuité. Un document secret a été dévoilé. Ça a été écrit déjà par un des frères Hauser. J'imagine que c'est pas Dan, que Dan il a dégagé. Accrochez-vous bien les gars sur vos petits sièges, car aujourd'hui nous avons des petites informations croustillantes, comme des cuisses de KFC, comme des cuisses de McDonald's, pour pas citer. Exactement, et je dirais le dernier bien sûr. C'est bon, continue. Alors je tiens à rappeler les gars que ces informations ne sont pas des informations officielles de Rockstar. On rappelle que Rockstar n'a rien annoncé sur GTA 6. Et la seule vraie info, c'est qu'ils ont fait une réunion sur GTA 6. Ils ont demandé une aide d'impôt. Donc déjà on sait que GTA 6 est en développement. Ça, c'est parce certain. Qu'ils ont demandé une aide. Ça c'est sûr et certain. Maintenant ces informations, ce sont des fuites. On ferait bien d'appeler un plombier. Ah, trop rapide. J'allais dire d'ailleurs, j'ai une fuite d'eau donc je reviens. Je pense que je la tourne mieux d'abord. Non mais en fait on rigole trop dans les vidéos, qu'on arrête. On reprend sérieusement. Alors les gars, donc comme je l'ai dit, ce document, bah comme l'a dit Nico, comme on l'a dit, il date de 2013. Et on sait qu'en 2013, il y avait 60 personnes qui travaillaient sur GTA 6 déjà. Que relève ce document? Alors tout d'abord, on a des informations sur les villes de GTA 5. Mm-hmm. Et bah évidemment, j'ai envie de dire que j'aime le faire, tu le sais. Je vais... Attends. Merci comme un Pokémon Vice. GTA Vice sera présent sur GTA 6. Dans ce document, donc, on a la ville du coup Miami, donc Miami, la côte est. Nous avons également la ville de Las Vegas. Las Vegas, donc Las Venturas. D'ailleurs, t'es allé à Las Vegas? Moi, je suis allé à Las Vegas, ouais. Il y a deux ans. Tu sais que c'est un rêve d'aller à Las Vegas. Mais je comprends pas pourquoi t'es jamais allé en Californie. Bah, t'es un joueur de GTA. Et t'es jamais allé à Los Angeles, quoi. T'es un fou. Bah, je sais, en fait, non, je t'explique. C'est la petite information hors info GTA 6. Fais-nous un petit jingle. Bah, comment je fais le jingle? Donc, je devais partir à Los Angeles en septembre 2019. On travaillait avec une marque en fait qui était chaude pour sponsoriser. On avait même eu une compagnie aérienne qui voulait payer les voyages, etc. Or, le problème, c'est que nous a mis un faux plan au dernier moment. Ouais. Du coup, il fallait repayer les billets d'avion, etc. C'était à même pas deux semaines de partir et tout. Malheureusement, ça s'est pas fait. Puis ensuite, il y a eu plein de trucs. Et voilà, ça s'est passé. En tout cas, on revient à la vidéo. Let's go. Donc du coup, comme j'ai dit, Vice City, Las Venturas, donc Las Vegas. Donc on aura aussi Chicago et Détroit, donc il y aurait la neige en fait tout simplement sur cette ville. Ah bah on sait que dans GTA 5 on a New York Country. Donc du coup l'île avec la neige. Donc là encore une fois apparemment on aurait une petite ville avec de la neige. On aurait Mexico City. Wow, alors Mexico c'est balèze hein. S'ils arrivent à refaire, ils vont peut-être pas réussir à faire parfaitement Mexico, mais Mexico c'est gigantesque. On aurait peut-être une apparition dans les petites villes de Mexico, etc. Parce que comme on sait, on l'a dit dans les vidéos précédentes, bah d'après encore une fois des leaks, des petites fuites, il y aurait des petits voyages dans des petites villes latines on va dire. Et il y aurait une petite ville fictive, alors ça on sait pas du tout, ils disent qu'il y aurait une petite ville. Voilà, est-ce que ce serait une petite ville un peu comme New York Canton avec la neige, etc. Je sais pas du tout. En tout cas, on aurait une petite ville. Maintenant, on va revenir un peu sur Las Vegas, les gars. Ce serait dans les années 70. L'ancien Las Vegas. Voilà. Et on sait que dans les années 70, pour ceux qui regardent Narcos Mexico, on sait que bah, c'est un peu les années où ça commence à, tu vois, la drogue, la cocaïne, etc. Et on sait que le développement de GTA 6 serait dans le thème des Narcos. Et là, on voit que dans ce document, on a la ville de Mexico. Peut-être faire des missions, aller chercher la drogue en Mexique en avion et la ramener à Las Vegas, tu vois, on sait pas. Ouais. Dans les années 70, Las Vegas, ça appartenait à la mafia, en fait. Hein. Tous les hôtels ont été rasés dans les années 80, il me semble, c'est un truc comme ça. Et ils ont reconstruit des hôtels un peu plus, on va dire... Légaux.
Mais ouais, ça, ça collerait bien, vraiment, l'histoire de Narco, truc comme ça déchirait. Mexique, Las Vegas, ouais. Narcos, voilà, années 70, mm-hmm. années 70, c'est vraiment l'année de la cocaïne. Si GTA 6, c'est dans le thème du Narcos, on va kiffer, les gars. Franchement, on va kiffer. Ouais, je pense. Hein. Du coup, on va parler des personnages. Donc, on n'a pas joué plusieurs personnages comme dans GTA 5. Mm-hmm. Alors, maintenant, je vais vous citer une partie du document qui dit un GTA avec de petites villes, des histoires entremêlées avec différents personnages. Si tu es recherché, tu dois fuir pendant un bon moment. Alors là, ça me rappelle Red Dead Redemption 2. Ouais. Est-ce que tu te souviens que dans Red Dead Redemption, bah, t'as joué, que quand tu fous la merde dans une ville, t'es recherché. Ouais, c'est t'as un avis de recherche et quand tu viens dans la ville, t'es directement t'es toujours recherché. Pour faire des trucs et tout. Ce qui est logique, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc, pourquoi pas dans GTA 6, on aura ce petit système d'où tu fous la merde dans une ville, t'es recherché. On sait qu'ils travaillent sur l'intelligence artificielle de la police. Tout à fait, ouais. Donc, peut-être un lien avec ça. On sait que Rockstar, ils travaillent vraiment sur le réalisme du jeu. Et donc, dernière information dans ce document, ça serait. Et attention, les gars. Là, grosse info. Là, accrochez-vous bien. Attention, on s'accroche. Moi, je me tiens. C'est bon, t'es bien tenu. À peu près, ouais. Tout. Les bâtiments sans exception seront bleus. On aura la possibilité de rentrer dans tous les bâtiments sans exception. Non, ça c'est magnifique. D'après eux, c'est tous les bâtiments, mais je pense pas que ça va être, tu vois, quand même les maisons, rentrer dans toutes les maisons, vont pas comme. C'est trop. Tu m'as compris quoi, faut pas non plus abuser, ouais, je pense pas. C'est cool quand même. Ce serait pas mal, mais je pense pas, tu vois. Donc on verra bien. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand je vais lancer mon jeu. Ça va être magnifique. Ça va être. Je crois que toi, tu vas déjà pas dormir quelques jours avant de le recevoir. Ah oui, bah déjà, moi, j'avais eu Red Dead Redemption 2 en avance. Ouais, ça, je m'en souviens. Rockstar. Ouais, ouais. Et du coup, là, j'étais à 6. Vous allez péter un plomb, je crois. Je vais pas sortir. Hein. Ça va être commande sur commande. Charbonnage. Ouais. Charbonnage en vue. Est-ce que t'as des choses à ajouter? Est-ce que tu penses comment va être développé le jeu? Parce que c'est vrai, on a une deuxième information, vous allez voir, on a un deuxième point qui est un peu plus petit que celui-ci. Moi, ce que j'en pense, bah déjà, Las Vegas. C'est un peu la ville du vice, tu vois, quelque part. Bah c'est un peu la ville des... Bah, le jeu... Quand même, hein, tu vois, ouais, Scarface ouais. Et tout. Et puis je sais pas si t'as déjà vu le film Casino. Non, ça se passe justement à cette époque-là. Vous savez, on aurait ces casinos. Donc, ouais. Un casino peut-être... on a déjà le casino dans GTA 5, tu vois. On aurait un casino dans GTA 5. Ça pourrait être fou, hein. Ça pourrait être dingue d'avoir de la drogue, d'avoir de l'argent, investir à Las Vegas, acheter un casino, carrément, t'imagines. Pour l'instant, c'est le mode histoire, hein, encore une fois, dont on parle. Le mode online, il n'y a rien, hein, parce qu'on sait que même quand le jeu sort, on n'a même pas d'informations sur GTA 5 Online. Quand Red Dead Redemption 2 est sorti, on n'avait aucune information sur Red Dead Online. On savait qu'il allait avoir une bêta, mais on n'a pas eu d'informations, donc on verra bien. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, sur tout simplement GTA 6, sur ces informations. Alors il y a un truc qui a pas été cité aussi, c'est la ville de... Est-ce que tu te souviens? Carcer City. Carcer City, tu vois. Alors du coup, ça rejoint bien parce que l'année 70, quand Michael il dit qu'il a fait un petit braquage à Carcer City, donc si on est dans les années 70-80, je te dis, ça se trouve, arrivé à Carcer City, on va retomber sur Michael qui fait le braquage, un délire comme ça. Ça, franchement... Bah, c'est comme dans GTA 5, tu vois, quand on voit un SDF et il ressemble à Nico Bellic. Un peu le même style. Le petit dernier mot à dire, c'est que GTA 6 va être incroyablement magnifique. Hein. On sait que ça va être, je pense, que ça va être le jeu le plus vendu. Il y a vraiment moyen. De l'histoire. Déjà, on a Minecraft, je crois que c'est le jeu le plus vendu. Après, c'est GTA 5. Après, c'est Red Dead 2, je crois. Non, c'est Minecraft, Tetris et GTA, je crois. Ouais. Voilà, mais bon, après, c'est des. Voilà. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur Tetris, ça peut être cool. On arrête de parler de ce premier point. On va passer au deuxième point. Let's go. Du coup, deuxième point, Rockstar, et oui, ils ont deux petites vidéos en privé, parce que on était à 256 vidéos, voilà, et on est passé à 258 vidéos en privé. Faut pas nous la faire à nous, faut pas nous la faire. I see you. En plus, on connaît les vidéos privées, les vidéos non répertoriées, on maîtrise tout ça, on connaît, ouais. Pour cette information, j'ai soif, donc j'allais me chercher un petit verre de coca. Vous voulez un verre? Sans sucre. De toute façon, je ne bois pas de coca avec du sucre. Tant mieux. Allez-y, toi. On va donc que ce soit toujours le lama qui prenne, quoi, j'ai envie de dire. Bonjour. Merci. À la tienne. À la tienne. C'est le lama qui m'a dit je prends, mais je donne jamais, tu vois.
Bah, il faut qu'ils s'amusent aussi un peu, Yama. Comme on l'a dit, ils étaient à 256 vidéos, ils sont passés à 258 vidéos. Mm-hmm. Et toi, t'étais chelou, toi. Quoi? T'as volé quoi? Rien. Allez, vous la mettez. Je pensais pas que ça allait se voir, moi. Ça va. Alors, donc, du coup, comme j'ai dit, 258 vidéos. Alors, il y a deux vidéos qui ont été mises en ligne en février. Et là, ils disent, ouais, ce serait un trailer sur GTA 5 en février. GTA 6, pardon. Sur GTA 6. Ouais. En février, je ne pense pas. Ça, j'y crois pas du tout, hein, je pense pas du tout. C'est un peu compliqué. Alors, je vois plus un trailer, par contre, d'une sortie dans Red Dead Redemption 2 ou dans GTA 5. Et notamment, on sait qu'en ce moment, il y a le DLC qui va sortir, DLC Formule 1. Ouais. Donc, peut-être un petit trailer sur les Formule 1. Ouais, ça me paraît quand même plus logique. Donc voilà, je rappelle encore une fois que c'est des fuites. En tout cas, on sait qu'ils sont pas pressés, les frères Hauser. Le frère Hauser. Le frère. Ah, oui. Parce que l'autre, il va quitter en mars. Voilà, Dan. Quoi, Dan? Il part en mars. Bon, j'arrête cette vidéo ici.